Well, the big eight wheeler over down the track means your true loving daddy ain't a coming back. Cause I'm a moving on. I'll soon be gone. Derrière les plages de Los Angeles, de l'autre côté de la montagne désertique, il existe une autre Californie, celle des cow-boys et des farmers sur les grands espaces américains. Au milieu de gigantesques cultures industrielles et irriguées, John Harris a 10 000 hectares, 100 000 vaches, un restaurant, un hôtel, un supermarché et 3 pistes d'aviation. Alors, 600 chevaux sur 500 hectares, c'est presque un jeu. Dans le pays, l'élevage de pur sang, c'est le Kentucky. La Californie ne compte presque pas, mais c'est pourtant bien là, à Harris Farm, qu'a été conçu et agrandi le champion Tiznao, un gentil géant qui a gagné deux fois la Breeders' Cup Classic en 2000 et 2001 devant Giant's Causeway puis Saki. Avec le légendaire Seabiscuit, c'est le meilleur pur sang de l'élevage californien. Hey, big guy. This is our Tiznao and this bud as well. Well, I just barely remember. C'est le père de Tiznao, Seas Tizzy. Je venais d'arriver au Hara à l'époque, je m'en rappelle. Tiznao est né ici, il a grandi ici. Puis il a été préparé ici sur la piste avant de partir chez son entraîneur. Tiznao a été un champion et continue d'avoir beaucoup de succès comme étalon dans le Kentucky. Seas Tizzy is retired from breeding. Seas Tizzy est à la retraite maintenant. Il est encore très frais, très heureux de vivre. Ah, il profite bien de sa retraite. Il est toujours fringant quand on le sort de l'écurie. Harris Farm abrite 200 poulinières et 9 étalons, dont la vieille vedette Unusual Heat, le meilleur reproducteur de Californie, un fils de Nourieff qui va prendre 23 ans et saillir au tarif record de 20 000 $. Il y a aussi 100 chevaux en débourrage pré-entraînement. Comme pour la production agricole, il s'agit d'avoir toutes les installations sur place qui servent d'ailleurs à la clientèle extérieure. Nous avons ici toutes les installations pour l'élevage et l'entraînement, ainsi que le repos, un service complet, tout ce dont on a besoin. Nous avons des petits paddocks individuels en herbe pour les mâles en cours de débourrage, aussi pour les sujets en convalescence après des opérations ou du repos total. Il y a 23 paddocks comme cela. Les jeunes chevaux arrivent au printemps, on leur apprend tout ce qu'ils doivent savoir. Ensuite, ils sont envoyés chez nos 10 entraîneurs sur les hippodromes. Ils finissent le boulot pour les emmener aux courses. Nous avons aussi beaucoup de chevaux d'âge qui reviennent. On les met au pré, on les soigne. Quand ils sont reposés, on les reprend au travail sur la piste. C'est un peu le même boulot que partout dans le monde. Ce n'est pas lié à la Californie, dans le Kentucky, à New York ou partout ailleurs. Ce qui compte, c'est d'aimer les chevaux. Regardez, Tiznao, il a bien gagné deux fois la Breeders' Cup en venant d'ici. C'est bien la preuve que nous avons des bons chevaux et que les Californiens peuvent être aussi performants que les autres. Ici, le climat n'est pas a priori favorable, trop chaud, et les petits parcs doivent être arrosés constamment pour verdir. Mais Harris Farm sort dans le grand monde. Déjà placé deux fois de la Breeders' Cup Sprint avec Soviet Problem et Unzip Me, il dispute la Breeders' Cup Dirt Mile avec John Scott à Santa Anita le 3 novembre.